Tout le meilleur à chacun de vous. Je vais continuer à vous transmettre donc une vision, un savoir qui est millénaire. Pour cela, je vais encore vous donner un enseignement de la Kabbale. Je vais me poser sur une tradition qui s'appelle la Kabbale pour essayer de vous transmettre le plus fidèlement possible un savoir-vivre qui est universel, hein. Il appartient à aucun homme en particulier et en même temps il appartient à toute l'humanité. Un savoir-vivre, un savoir-faire. Il y a au-delà de toutes les créations et les créatures, il y a ce que certains ont appelé la non-existence. Les Juifs, dans la Kabbale, l'appellent Ein Sof Haour, le tout, le rien possible. La non-existence dans laquelle tout peut exister. Tout est là en potentiel, mais tout est dans la non-existence. Il y a ce qui se révèle, ce qui existe, ce qui apparaît, et il y a toutes les possibilités qui ne se sont jamais révélées. Je m'arrête là pour l'instant, ok ? Ensuite, il y a une première sphère qui est la sphère la plus haute dans l'arbre de la vie, de la Kabbale. Nous, les Esséniens, nous l'appelons la couronne. Il y a ensuite d'autres sphères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une conférence que j'ai faite pendant la célébration d'Ouriel, je vous ai parlé de cette image qui pour moi, elle est presque parfaite. C'est cette image de la comète qui laisse derrière elle une traînée de lumière, une traînée de poussière, vous voyez ? Et dans une vision essénienne du monde, et dans cette vision de la chute, il y a vraiment en fait un principe qui tombe, qui chute. Mais j'ai expliqué que ce n'était pas vraiment cela. C'est pas qu'il tombe, il chute, c'est qu'il se condense, il se matérialise. Et cette comète, elle vient de la non-existence et elle se matérialise. Et de cette matérialisation, de cette condensation, sont nés les dieux, les archanges, les anges, les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux. J'avais expliqué que les archanges, c'était des dieux plus matérialisés, condensés.
Ensuite sont nés les anges, et ainsi de suite. Et j'avais fait ce schéma, j'avais fait ce dessin que, à partir du moment où en fait il y a un monde qui existe, il y a une création qui apparaît, il y a des créatures. Et le monde des dieux, c'est très très vaste. Le monde des archanges, c'est un monde. Le monde des hommes, c'est un monde. Avec toute sa complexité, avec toutes ses relations, ses compréhensions, ses incompréhensions, tous ses échanges, ses partages, c'est un monde. Le monde des dieux, c'est pareil. Le monde des archanges, le monde des anges, le monde des minéraux, c'est pareil. C'est là où je veux en venir là. C'est que, de même que les hommes, ils ont des relations entre eux. Juste entre eux, entre nous. Les dieux ont aussi des relations entre eux. Juste entre eux. Ils se comprennent ou ils ne se comprennent pas. On se comprend ou on ne se comprend pas. Des fois, on parle le même langage, on croit se comprendre et on ne se comprend pas. Des fois, on ne parle pas le même langage et on se comprend. Donc, pour les dieux, pour les archanges, pour les anges, pareil. Mais il se passe quelque chose de particulier, c'est qu'il peut y avoir des relations après, des liens, un dialogue, un partage aussi, entre les dieux et les archanges, entre les archanges et les végétaux, entre les minéraux et les anges, pourquoi pas, entre les animaux et les hommes, entre les hommes et les dieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est possible. À partir du moment où il y a un monde qui apparaît, à partir du moment où il y a une création qui se manifeste, dedans cette création, il y a des créatures. Et mathématiquement, c'est des mathématiques, tu ne peux pas enlever ça. À partir du moment où il y a une création, il y a des créatures. À partir du moment où il y a des créatures, il y a un dialogue. Il y a un partage, il y a un échange. Ce que j'avais dessiné dans cette conférence, je le dessine maintenant, je le révèle dans cet arbre de la vie. Tu vois, il y a des relations partout. Mais vraiment, partout. Ok ? Et la science juive de la Kabbale, c'est d'être dans la connaissance de ces relations et de ces liens. Un peu à l'image aussi de l'astrologie. Tu vois, dans l'astrologie, il y a des signes, il y a des maisons, il y a des planètes, il y a des influences. Et donc, telle planète avec telle planète, ça fait un lien. Elle est donc en association, en opposition, il y a des carrés, des trigones, des machins, tout ce que tu veux. Et après, même ce lien entre les deux planètes, elle est dans une maison particulière, donc ça fait encore autre chose. Et puis, c'est associé avec un signe, et ça fait encore autre chose. Chaque sphère entre elles, c'est un lien particulier. D'accord ? Et la Kabbale, c'est cette science de tous ces liens. Quel est le lien à l'intérieur de toi avec telle sphère en toi, tel monde en toi, tel organe en toi ? Tu dois étudier cela. Dans une autre conférence également, j'avais expliqué, par exemple, que l'homme était constitué de 4 corps. On est tous constitués de 4 corps. Mais il y a, j'avais donné un peu l'exemple des pourcentages. T'as combien de terre en toi ? T'as combien d'eau en toi ? T'as combien d'air en toi ? T'as combien de feu ? Il y en a, ils sont enflammés.
Il y en a, ils sont enflammés. Je pense à Philippe, par exemple. C'est un enflammé. Il a beaucoup de feu en lui. Il y en a, ils vont être très, très dans la terre. Il y en a, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de terre. Il y en a, ils vont avoir beaucoup d'eau. Il y en a, ils sont très, très sensibles. Ils vont avoir beaucoup d'eau. Il y en a, ils vont être beaucoup, beaucoup dans l'air. Ça, c'est l'homme. C'est pas l'homme ne se résume pas à cela. Ça, c'est l'homme, ok. Mais c'est même plus que l'homme. C'est-à-dire que c'est comment le monde il s'est matérialisé. Comment il est apparu. Donc l'homme, mais aussi le minéral, le végétal, l'animal, l'angélique, l'archangélique, le divin. C'est pas que l'homme. C'est-à-dire que l'homme, tu veux comprendre l'homme, c'est une façon de le comprendre l'homme. La Kabbale est une science qui te permet de comprendre l'homme, mais elle te permet aussi de comprendre ce qu'est le minéral, ce qu'est le végétal, l'animal, l'angélique, l'archangélique et le divin. Il y a d'autres façons d'étudier l'homme et la création. La Kabbale en est une. Aujourd'hui, j'ai décidé de me poser sur cette science de la Kabbale pour vous exprimer, en fait, si vous comprenez mon enseignement, ce que je veux vous partager, qui est, en fait, compte quelque chose d'universel. Je dis toujours plus ou moins la même chose. Là, aujourd'hui, j'ai décidé donc d'utiliser ce support qu'est la Kabbale. Donc, il y a des liens partout. Ton cœur, il y a des liens avec tes poumons. Il a des liens aussi avec les muscles. Il a des liens avec ton squelette, avec ton système nerveux. Tout est relié. Des fois, un organe, il est relié par un autre organe par l'intermédiaire d'un troisième organe. Le lien, des fois, il n'est pas direct. Tu vois, le lien, des fois, il n'est pas direct. Des fois, tu comprends? C'est... Tout est possible. Tout est possible. Si tu ouvres ta perception du monde et que tu conçois que tout est possible, tu vois l'eau qui coule, elle n'a pas un chemin, elle a tous les chemins, mais elle en choisit un à un moment donné. Mais elle a tous les chemins. Il y a la possibilité de tous les chemins. Mais elle en choisit un. Pourquoi elle a choisi ce chemin et pas un autre chemin? C'est une bonne question. Mais elle a tous les chemins. La non-existence qui contient toutes les existences. À partir du moment où il y a une existence, il y a l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Tu prends l'homme, tu prends le minéral, tu prends le végétal, tu prends l'angélique, l'archangélique, le divin. Tu prends une entreprise, un projet, un souhait, un rêve, une pensée. Il y a ce principe de la condensation. De la condensation. Ça se matérialise, ça apparaît, ça existe. Et tout ce qui existe est venu à l'origine de la non-existence. Qui dit condensation, matérialisation, dit également spiritualisation, subtilisation, densification, subtilisation, coagulation, coagula pour les alchimistes,
coagula, ça se coagule. Tu vois le sang qui se coagule? C'est ce même esprit. Solve. Dissolution. Le sang aussi, en fait, il peut être trop liquide et il faut d'ailleurs... il y a des médicaments pour ça qui va justement coaguler un peu plus le sang parce qu'après, il peut y avoir des problèmes d'AVC, il peut y avoir des choses comme cela aussi. Vous voyez ? Le sang qui se coagule, il fait des bouchons dans les veines, mais aussi le sang qui est trop liquide, c'est dangereux. Il faut un équilibre. Solve et coagula. Si tu es que dans le solve, c'est dangereux pour toi. Si tu es que dans l'esprit, si tu es que dans des rêves, si tu es que dans la lune, c'est dangereux pour toi. Mais si tu es que dans la matière, si tu es que dans terre à terre, trop terre à terre, c'est dangereux pour toi aussi. L'homme, il est les deux. Il doit être les deux. Un homme véritable, parce que nous sommes des êtres humains, nous vivons sur la terre, nous avons des expériences à faire sur la terre, nous avons des choses à comprendre sur la terre. Ça, ce que je vous transmets, pour moi, ça n'engage que moi. C'est inspiré évidemment de la vision essénienne du monde, c'est une tradition, ça ne m'appartient pas, c'est millénaire, c'est universel, mais ça c'est un fondamental de la vie et de l'existence sur la terre pour les Esséniens. On est de la matière et on est de l'esprit. Ici, je vais dessiner un trône, une chaise. Et ici, il y a un lien encore. C'est important. Si ici, il y a un principe de condensation, et ici un principe de subtilisation, dans la Kabbale, il est dit qu'il y a le pilier de la miséricorde, miséricorde, et le pilier de la rigueur. Il faut essayer d'oublier nos concepts de devant, derrière, droite, gauche, haut, bas. Parce qu'il y a dans le monde ces deux polarités dont je vous parle, condensation et subtilisation, matière et esprit, homme, femme, coagula, solve. Mais il y a une inversion des polarités. Pourquoi? Parce que ce qui descend peut monter aussi. Et ce qui monte peut descendre. C'est une respiration. La respiration, elle est partout. Partout. Ton œil voit, ton œil respire. Ton oreille entend, ton oreille respire. Parce qu'il y a un échange. J'ai parlé de dialogue, d'échange et de partage entre nous, mais les dieux aussi échangent, partagent, les archanges également. Et après, les dieux avec les archanges avec les hommes avec les minéraux, et ainsi de suite. Ce n'est que de la respiration. Respirer, c'est un autre mot qui veut dire partage. Je prends quelque chose, je te donne quelque chose. Et il y a quelqu'un à l'extérieur de toi qui prend quelque chose de toi et il te donne quelque chose. Ça aussi, ce sont des mathématiques, dans le sens où ce sont des règles.
universelle qui se retrouve partout. C'est mathématique. Parce que la miséricorde est associée au principe féminin. Qu'on va représenter par le principe d'Ève, Ève, Ève. Et le principe de la rigueur, il est associé au principe masculin que nous allons appeler Adam, Adam. Pourtant, ce principe de la condensation, c'est lié au principe masculin. Tout ce qui condense, c'est le principe masculin. Et en même temps, il est associé aussi au principe féminin Ève. Et tout ce qui se subtilise, c'est lié au principe d'Adam, au principe de l'esprit, c'est-à-dire la matière qui veut rejoindre l'esprit. Ici, le principe de la miséricorde, c'est le principe de l'esprit qui apparaît dans la matière. Qui crée des corps? C'est la maman. Qui fait en sorte que dans la maison et dans le foyer, il fait bon vivre? Qui crée l'ambiance de la maison? C'est la maman. Quand je dis la maman, c'est au-delà du genre, vous le savez maintenant de plus en plus, à chaque fois je le répète, c'est important aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, de faire cette précision-là. C'est au-delà du genre, au-delà du sexe. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, dans ton corps physique, il y a un principe en toi de condensation et un principe en toi de subtilisation. Tu es une âme, une âme. Tu es homme, femme. C'est au-delà du sexe et du genre. Mais il y a à l'intérieur de toi un principe féminin qui crée, qui enveloppe, qui construit un monde, qui construit un bébé, un enfant. Il y a à l'intérieur de toi un principe féminin qui, dans ton ventre, crée un monde. Et il y a un principe à l'intérieur de toi masculin qui va comme apporter une semence. Une semence. La semence, elle est là. Et il y a tout un monde qui va être créé et qui va sortir, qui va apparaître, qui va exister. Il y a un homme et une femme qui vont se rencontrer et ils vont avoir un idéal. Ils vont vouloir bâtir quelque chose ensemble. Ils vont vouloir construire un monde ensemble. Une famille, un foyer, ils sont différents, ils ont chacun leur point de vue, mais ils se rencontrent, ils se retrouvent, ils s'associent pour un but commun qui est plus grand qu'eux. Ils vont le penser, ils vont en parler, et je vais y revenir après, de ça, de « ils vont en parler, ils vont, plus ils vont en parler, plus ils vont commencer à le désirer, à le vouloir profondément, ils vont passer à l'acte. À un moment donné, il y a un engagement, à un moment donné, on passe à l'acte. Et c'est ce principe féminin qui va prendre cette semence, sans réellement vraiment savoir comment cela fonctionne. Elle va être comme détachée, neutre, et là aussi je vais essayer d'y revenir, de cette neutralité, de ce détachement.
Mais il y a quelque chose de plus grand qui nous échappe. Et il faut accepter que ça nous échappe. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a un monde qui est en train de s'élaborer. Et de même qu'il y a un corps qui se construit dans le ventre de la maman, il y a des influences et des esprits et des mondes subtils et invisibles aussi qui s'accrochent, qui s'enracinent. Et il y a des liens, tu vois, qui se dessinent. Et c'est là où, par exemple, eh bien, tu vas avoir tant de pourcentage de terre, tant de pourcentage d'eau, tant de pourcentage d'air, tant de pourcentage de feu. C'est là où il y a, on dit, les astres et les planètes qui s'alignent et il y a des influences qui se créent et tu vas avoir tel caractère parce que tu as tel parent, parce que tes parents, ils ont telle nationalité et parce qu'ils vivent à telle époque, dans telle culture, tout cela. C'est des liens et ça crée des particularités à l'intérieur de toi qui s'inscrivent en toi. Et après, tu nais et tu as un corps. Mais tu n'as pas seulement un corps physique, tu as un caractère qui évolue, qui se modèle au fil des années et au fil des expériences que tu vas faire, mais quand même tu as un caractère. Tu es prédéfini, magiquement, spirituellement parlant, tu es prédéfini. Même physiquement, tu es prédéfini, tu vas avoir la couleur des yeux de ton père, de ta grand-mère, tu comprends? Même le caractère qui est quelque chose de très subtil, d'impalpable, c'est aussi quelque chose de matériel en quelque sorte et de physique. Parce que ton caractère, il va se révéler à travers les expressions de ton visage, à travers ton attitude, à travers ta façon d'agir et de réagir. Il y en a, ils vont être très timides, il y en a, ils vont être très introvertis, il y en a, ils vont être très extravertis, il y en a, ils vont être enflammés, il y en a, ils vont être comme des papillons, il y en a, ils vont être très ancrés dans leur corps, dans leur chair. Il y en a, ils vont être très sensibles, ils vont capter. Tu vois? Donc, ce principe de rigueur, miséricorde, de polarité masculine, féminine, tu ne peux pas trancher en disant le principe féminin, c'est ça, le principe masculin, c'est ça. Et la frontière, elle existe. Mais il y a une sorte, ça se mélange, tu comprends? Et même c'est très évolutif dans le sens où ça change. À telle époque de ta vie, tu étais très feu, moins de terre par exemple. Et puis tu vas vivre, tu vas faire des expériences et puis à un moment donné, tu vas être plus terre et moins feu. À un moment de ta vie, tu es plus féminin, féminine. Et puis, à un moment donné dans ta vie, tu vas être un peu plus masculine, masculin. Ça change, ça évolue. Mais si tu es masculin, c'est que quand même il y a le féminin en toi. Tu ne peux pas être masculin si il n'y a pas le féminin en toi. Et inversement, les deux sont inséparables. Inséparables. De même que l'esprit de condensation est inséparable de l'esprit de subtilisation. Là, c'est « j'existe ». Tu comprends? « J'existe ». Et là, c'est « je n'existe pas ». »« Je n'existe plus ». Là, je sors de la non-existence et j'apparais. Et là, je retourne à la non-existence. Je disparais. Ici, il y a, dans la Kabbale, il y a quatre voiles. J'ai parlé des deux piliers de la Kabbale, la miséricorde et la rigueur. Il y en a un troisième. J'en parlerai un peu plus tard. Dans la Kabbale aussi, donc, il est question de quatre voiles. Un voile qui est ici. Ici,
c'est le corps, c'est la matérialisation. C'est vraiment le corps, basique, physique. Et là, il y a un voile. Là, il y a un deuxième voile qui te sépare, encore une fois, d'un autre monde. Ici, il y a un voile. Et ici, il y a un voile. Quand tu passes là, il y a une partie de toi qui reste. Et il y a quelque chose de nouveau en toi qui apparaît. C'est toujours, toujours ça. C'est toujours qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui meurt. Quand ton corps physique meurt, il reste à un monde, il reste dans le monde qui lui est associé. Le corps physique est associé au monde. Quand tu meurs, quand ton corps physique retourne à la terre, il retourne nourrir le monde d'où il est venu. Le corps physique ne vient pas de là. C'est que quand il y a cet esprit de condensation qui descend, il y a des mondes qui commencent à exister. Ici, il y a une révélation qui est apparue. Cette révélation, c'est ce corps. Quand c'est le moment, ce corps retourne dans le monde d'où il est venu. Quand tu mets une bûche dans les flammes, la terre dans la bûche retourne à la terre. L'eau dans la bûche retourne au monde de l'eau. L'air dans la bûche retourne dans le monde de l'air. Et le feu dans la bûche nourrit le feu, retourne dans le feu. Donc c'est le corps de chair. Et à chaque fois que tu passes, il y a une mort et une naissance. Les kabbalistes appellent ce voile le voile de l'initiation. Initiation. Quand tu rentres là, tu deviens un initié. C'est quand tu passes le voile de l'initiation que tu deviens un initié. Ici, les kabbalistes appellent ce voile la petite illumination. Nous, les Esséniens, nous l'appelons l'individualisation. Individualisation. Quand tu passes là, ce monde, tu t'individualises. Là, tu deviens un initié. Là, tu t'individualises. Quand tu passes ce voile ici, c'est le voile de la conscience. Conscience. De la connaissance. Du bien et du mal. Et ici, il y a un quatrième voile, c'est l'impersonnalisation. Tu entres dans la non-existence, tu deviens impersonnel, tu n'existes plus. Tu entres dans l'universel, tu deviens universel. Quand tu dis moi, quand tu dis je, tu existes. Et d'ailleurs, tu dis « moi » quand tu as 7 ans, ce n'est pas le même « moi » quand tu en as 14, quand tu en as 21 et ainsi de suite. Des « moi », on en a plein. Des personnalités, on en a plein. Mais derrière toutes ces personnalités, il y a quelque chose d'universel.
Si tu entres dans l'universel, si tu deviens réellement impersonnel, tu n'existes plus. Donc là, c'est l'impersonnalité. Dans l'évangile de Saint Jean, ou dans son Apocalypse, je ne sais même plus, il est écrit « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne la saisissent pas. » Et il dit aussi quelque chose, il dit « Le Verbe s'est fait chair. » Cette lumière, ce Verbe, c'est la même chose. Là, il y a la source de la lumière. Tu vois, elle rayonne. La lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide dans le monde de la matière. Mais quand même, elle met un certain temps à voyager. C'est très très rapide, mais elle met un certain temps à voyager. Pour nous, c'est instantané. Mais elle met un certain temps quand même à voyager. Et à un moment donné, la lumière luit dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ça. Et la lumière luit dans les ténèbres. Ça y est, ça y est. La création du monde, des mondes, apparaît, se révèle. C'est pas parce que tu le vois pas que c'est pas déjà en train de se préparer. Mais quand ça apparaît, ça apparaît. Tu peux plus discuter. Quand il y a l'enfant qui est dans le ventre de la maman, tu peux te dire c'est un petit garçon, c'est une petite fille, tu peux tout imaginer. Il aura telle couleur des yeux, tel caractère, telle couleur de cheveux. Tu peux tout imaginer, mais quand il vient au monde, il a telle couleur d'yeux, tel caractère, telle couleur de cheveux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il est comme cela. Aujourd'hui, tu peux le changer, tu vois, et puis ça va aller de plus en plus en s'aggravant. Tu vas pouvoir tout changer, même avant. Tu vas pouvoir choisir, comme dans un catalogue, je veux que mon enfant il ait telle couleur d'yeux, je veux qu'il ait telle couleur de cheveux, je veux qu'il ait tel caractère. On va pouvoir comme cela, tu vois, hop, hop, non, non, ce caractère-là, non, ce caractère-là, oui. Telle couleur de peau, tel type de cheveux raides, crépus, frisés, telle couleur d'yeux, tu vas pouvoir choisir. Bon, mais pour l'instant, passons ça. Quand il sort, il est ce qu'il est. Et avant, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux tout imaginer. Tout est possible. Mais quand il apparaît, il apparaît. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne la saisissent pas. Bon, ok. Les ténèbres ne la saisissent pas. Et il dit aussi, et le Verbe s'est fait chair. Il y a ici le silence dans la non-existence. Et donc là, je fais référence aussi aux conférences que j'ai faites sur le Tao. Il y a le silence et il y a la parole ici. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Et Jésus aussi dit cette parole qui pour moi est incroyable. C'est une parole qui m'a suivi pendant de nombreuses années de ma petite et courte existence. Okay? Mais vraiment, c'est une parole qui m'a touché et qui m'a suivi pendant longtemps et qui continue aujourd'hui à m'inspirer. Jésus a dit,
le corps qui est né de l'esprit, c'est une merveille. Donc ça là, c'est une merveille. D'accord ? C'est une merveille. Le corps qui naît de l'esprit, c'est une merveille. Mais l'esprit qui naît du corps, c'est la merveille des merveilles. Merveille des merveilles. C'est doublement merveilleux. Quand le corps témoigne de l'esprit, révèle l'esprit, c'est la splendeur des splendeurs sur la terre. Il y a d'autres splendeurs, sûrement, qui existent, qu'on ne peut même pas identifier, qu'on ne peut même pas saisir, qu'on ne peut même pas comprendre avec nos sens. Laissons la porte entrouverte de toutes les possibilités qui peuvent exister dans le monde et dans les mondes. Laissons une porte entrouverte, toujours. Soyons pas fermés, soyons pas rigides. Mais dans notre monde, mais notre monde, hein, c'est pas juste le Canada, notre monde. Notre monde, c'est pas juste la Terre. Hein? L'univers. L'univers observable. L'univers au-delà de ce qu'on peut observer de l'univers, c'est notre monde. La merveille des merveilles, c'est quand le corps témoigne de l'esprit, révèle l'esprit. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a habité parmi nous. Ok. Pilier de la miséricorde, pilier de la rigueur, et au centre, il y a un troisième pilier qui est justement le pilier de la conscience. Le pilier de la connaissance. Et là, là il y a quelque chose, un secret, un mystère. Ici, il y a une séphirote cachée qui s'appelle Dahat, qui est en fait compte la sphère de la connaissance. Ici, c'est la couronne, ici, c'est le trône, ici, c'est le cœur de l'homme. Tu vois, un homme s'assoit et il est le roi de son royaume. Je ne suis pas le roi, je ne peux pas être le roi de toi. Je ne peux pas être ton roi. Je ne peux pas te gouverner. Je ne peux pas décider pour toi. Je ne peux pas t'ordonner des choses. Toi, tu peux m'écouter ou tu peux ne pas m'écouter. Ça change tout. Ça change tout. Je ne peux être le roi que de mon être, que de ma vie. Si je suis dans ce savoir et dans cette connaissance du monde, je m'assois, sur ma tête est posée une couronne, moi, toi, d'accord ? N'importe quel être humain sur la terre peut s'asseoir sur un trône et sur sa tête être posée une couronne et il peut voir que le monde est parfait. Il peut se reposer, s'asseoir et voir que le monde est parfait. C'est pour cela que j'ai dit, et j'espère que j'en aurai pas choqué, parce que maintenant, hein, c'est filmé, et puis ça va sur Internet, etc. Hein, d'accord ? Que j'ai dit, mais Dieu, il se repose au septième jour. Mais le septième jour, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme s'assoit sur un trône. Sur sa tête est posée une couronne, il se repose, Dieu en l'homme se repose, et l'homme voit à travers les yeux de Dieu, tout est bon, tout est parfait, tout est juste, tout est dans un ordre, une harmonie, tout a un sens, tout a une origine et un but en soi.
tout est intelligent, tout est sage, tout est sage. Si Keter, c'est la couronne, et que Malkout, c'est le corps physique, Dahat, c'est le cœur de l'homme. Et dans ce cœur, il y a quelque chose de sublime. C'est justement cette connaissance du bien et du mal. Et dans la Genèse, ce livre de la Genèse, il est dit que Adam et Ève ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi le bien et le mal? Est-ce que le bien, il est comme cela et le mal est comme cela? Non, je vais vous dire c'est quoi la connaissance, parce qu'il est bien question de connaissance du bien et du mal. Regardez. Oh, il est rigide. Il est fermé. Il est méchant. C'est mal. Oh, il est ferme. Il sait ce qu'il veut. Il est clair. C'est bien. Oh, il est miséricordieux. Le naïf. Hein? Il est naïf. Il se fait avoir. Il se fait bananer. Hein? On peut lui raconter ce qu'il veut, il va tout croire, bêtement, c'est mal. Il est bon, il est généreux, il donne, il est ouvert, c'est bien. Tu peux pas dire, oh il est méchant, oh il est gentil. Des fois tu es gentil et tu fais le mal. Des fois tu es méchant et tu fais le bien. C'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Mais la connaissance du bien et du mal, c'est ça. Comment tu peux savoir si réellement ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens, c'est bien ou c'est mal? Comment tu fais? Il faut que tu mettes au monde pour réellement voir si ce que tu penses, si ce que tu dis, si ce que tu sens, si ce que tu fais est bien ou mal. Mais pas seulement. C'est pas juste, je te dis une parole et puis après, je regarde. Non, tu dois voir quel est l'impact de ta parole sur les autres. Quel est l'impact de ton acte sur les autres. Quel est l'impact de ta pensée sur les autres. Là, tu peux réellement savoir si ce que tu fais, si ce que tu dis, si ce que tu sens et penses est bien ou mal. Mais je t'ai dit, la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide dans le monde. Ta pensée est plus rapide encore que la lumière. Ton sentiment est plus rapide encore que la lumière. Ta volonté, plus rapide que la lumière. Mais même là encore, il faut du temps. Tu vois l'écho, les radars, tu comprends? La lumière rayonne, mais à un moment donné, elle va toucher et elle va rebondir et elle va continuer son chemin. Tu penses, ta pensée va rayonner comme la lumière et à un moment donné, elle va toucher un obstacle. Ça peut être la nature, ça peut être un ami, ça peut être un ennemi. Peu importe, ça va revenir vers toi. Il faut que tu attendes que ça revienne vers toi pour réellement savoir si ce que tu as fait est bien ou mal. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la digestion. La digestion. C'est un des processus de la digestion. Après ça, il y a le discernement. Et tu vas rejeter ce qui doit être rejeté et tu vas garder ce qui doit être gardé. Tu as fait, peu importe si c'est une erreur ou une victoire, peu importe si c'est une défaite ou une victoire, peu importe si c'est une erreur ou une réussite, il y a un temps avant que ça te revienne. Et qui te permet de voir ça? C'est les autres. Il y a un temps.
Et là, donc, tu peux après discerner et tu vas prendre ce qui doit être pris, même si c'est une erreur. On a tendance à dire, oh, la victoire, c'est bien. La victoire, c'est bien. Si je suis premier, c'est bien. Des fois, c'est mieux que tu sois dernier. Et il vaut mieux que tu sois dernier. Et ça, c'est bien. Et des fois, il faut que tu sois premier. Des fois, il faut que tu réussisses. Et c'est bien que tu réussisses. Mais des fois, je te dis, tu réussis et c'est mal. Et c'est mal. Mais donc, tu réussis, tu échoues, peu importe, tu dois prendre ce qui doit être pris, ce qui va te nourrir, ce qui va te permettre de faire le lien avec l'universel en toi. Tu prends à droite, tu prends à gauche. Des fois, tu es miséricordieux, des fois, tu es rigoureux, des fois, tu es plus une femme, des fois, tu es plus un homme. Un homme, il donne quelque chose. Quand tu donnes, toi, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, tu es un homme. Et quand tu prends, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, tu es une femme. Donc, des fois, tu donnes, des fois, tu prends. Des fois, tu es rigoureux, des fois, tu es miséricordieux. Des fois, tu es un homme, des fois, tu es une femme. Des fois, tu dis non, des fois, tu dis oui. Des fois, tu ouvres une porte, des fois, tu fermes une porte. Mais tout cela, des fois, tu réussis, des fois, tu échoues. Tout cela n'a qu'un but, c'est passer ici. Alors, ça va faire beaucoup, mais quand même. Tu passes là. Et là, comme pour ce principe de condensation et ce principe de subtilisation, c'est une respiration. Ça respire. Ça respire. Et là, donc, il y a vraiment cette connaissance du bien et du mal. Le bien, le mal, c'est difficile. Mais je te dis, le bien et le mal, ils se retrouvent ici, comme ils se retrouvent ici. Le bien et le mal. Et dans la Genèse, il y a un serpent qui est venu et qui a dit à Ève, pas la femme, le principe dans l'homme qui prend. Tu comprends? La femme, elle prend. La femme, elle reçoit. L'homme, il donne. Ok? C'est pour ça que le serpent est allé voir Ève, parce que Adam, il ne peut pas prendre. Adam, il ne peut que donner. Ève, elle prend. Alors le serpent, il est allé voir Ève et il lui a dit, « Mange de ce fruit, tu vas avoir la connaissance du bien et du mal. Tu vas tout savoir, tu vas être à l'égal de Dieu. » Dieu, il sait tout, mais toi, tu ne sais pas tout. Dieu, il sait tout. Il est dans la non-existence dans laquelle tout est possible. Aujourd'hui, on parle d'univers parallèle, on parle de multivers, etc. Tout est possible. Tout. Toi qui as dit non pour telle situation, et il y a un autre toi qui a dit oui pour la même situation. Les deux existent. Mais il y en a un qui s'est manifesté, parce que ici, tu as dit non, mais tu aurais pu dire oui, mais tu as dit non. Les deux existent. Donc un serpent est venu et il a dit à Ève, tu peux exister. Tu peux exister. Tu vois, ces dieux qui ont existé, il y en a qui sont restés fidèles à l'origine, au Père, si on doit le nommer. Ok ? Et il y a des dieux qui ont dit, je peux exister par moi-même. Il y a des archanges, après qui sont nés, des dieux, et il y a des archanges qui ont dit, je peux exister, et d'autres qui sont restés fidèles.
ainsi de suite. Ce serpent, donc, il murmure à Ève, tu peux exister. Et après Ève, elle donne le fruit à Adam, et tous les deux, donc, ils en mangent. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Ça y est. Ils ont la conscience d'eux-mêmes. Ils s'aperçoivent qu'ils sont nus et ils veulent se cacher. Au départ, ils ne savent même pas qu'ils existent. Ils n'ont pas la conscience d'eux-mêmes. L'homme, parce que Adam et Ève, c'est l'origine de l'homme. Adam et Ève, c'est l'homme. Le principe de l'homme. L'âme humaine. L'âme humaine. Tu vois toute l'humanité présente avec toute l'humanité du passé, avec toute l'humanité du futur, avec toutes les possibilités de toutes ces humanités en même temps. C'est l'homme. C'est l'homme. Tu ne peux pas séparer Adam et tu ne peux pas séparer Ève. Adam et Ève, c'est l'homme. Adam, l'esprit, Ève, la matière. Donc, cette connaissance du bien et du mal, et là, il y a quelque chose d'incroyable encore. Dans des textes apocryphes, il est dit que donc Ève s'est séparée d'Adam et Ève, elle a eu un enfant avec Samuel, Samaël. Bon, je fais très vite. Dans un texte apocryphe, Samaël est un ange déchu, un ange qui a voulu enseigner les filles des hommes, un des anges qui est tombé amoureux des filles des hommes. Les filles des hommes, c'est ce principe féminin qui prend. C'est pas que les anges sont tombés amoureux comme un homme tombe amoureux de filles. C'est les anges sont tombés amoureux de l'homme, de ce qu'il pouvait faire avec son corps physique, son corps de chair, les filles des hommes. Et les anges ont commencé à enseigner les hommes. Donc, Samuel, Samaël, qui est tombé amoureux d'Ève, et ils ont fait donc un enfant, Caïn. Caïn. Alors, Caïn, c'est le principe même de la condensation et de la matérialisation. Vraiment, Caïn, c'est la lignée de la matière, des matérialistes. C'est le père des matérialistes. Et Adam, il a eu un autre enfant avec une autre femme qui s'appelle Lilith. Et il a fait comme enfant Abel. Abel. Et Abel, c'est le père des spiritualistes. Mais après, Adam et Ève se sont retrouvés et ils ont fait un autre enfant, Seth. Et c'est là où je vais en venir. Dans un autre texte apocryphe qui s'appelle, je crois même, le livre d'Adam. Ok ? À un moment donné, Seth, il parle à l'archange Michael, Adam, il va pour mourir. Il va perdre son corps physique. Et il me semble, donc dans les détails, je ne sais plus trop, mais il me semble que Seth, il veut comprendre les mystères. Il est ni dans la lignée de Caïn, ni dans la lignée d'Abel. Il unit les deux voies. C'est la lignée de la conscience, le pilier de la conscience, pilier de la miséricorde, pilier de la rigueur, pilier de la conscience. Donc, 7. Et l'archange Michael dit, prends une graine de l'arbre, il me semble que c'est justement l'arbre de la connaissance, d'accord ? Prends la graine de l'arbre de la connaissance et mets-la dans la bouche d'Adam. Et cet arbre
va se nourrir, va faire ses racines du corps d'Adam. C'est la lignée de l'initiation. Initiation, individualisation, conscience, universalité. Ici, il y a ce que j'ai dessiné dans d'autres conférences, cette terre. Tu sais, la terre qui émerge de l'eau et la terre immergée. Il y a une terre immergée, il y a une terre émergée. Émergée. C'est comme encore une fois cette inversion des polarités. De même que il y a de la miséricorde dans la rigueur, il peut y avoir de la rigueur dans la miséricorde. De même que il y a le principe masculin dans le principe féminin, et il y a du féminin dans le masculin. La terre émergée, c'est ta terre intérieure. Pourtant, elle émerge. Donc, dans notre concept du monde, on aurait cette tendance à comprendre, à voir et à imaginer que la terre qui émerge, c'est la terre qui sort de toi. Mais en vérité, c'est ta terre intérieure. Et la terre immergée, qui est cachée, on aurait donc tendance à dire, à comprendre que c'est la terre, donc, à l'intérieur. Mais en fin de compte, c'est tout ce qui est à l'extérieur de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ça, à quoi ça sert, au fond? C'est comme si j'étais en train de vous déballer un savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Comment on vit avec ce savoir? Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur justement YouTube, sur la chaîne YouTube, okay? Et elle m'a parlé des 12 portes. Elle m'a posé une question sur les 12 portes. J'en avais parlé un peu dans une conférence. Elle m'a dit, ça serait intéressant justement d'en savoir un peu plus sur ces 12 portes. Ici, donc, il y a les dieux, les archanges, les anges. Ici, il y a l'homme. L'homme. Dans cette connaissance du bien et du mal, ou dans cette ignorance du bien et du mal, il y a ensuite les égrégores, les génies et les esprits, ici. Et il y a les animaux, les végétaux et les minéraux. Et là, il y a les éléments. Ce qu'il faut essayer de retenir et de se souvenir là, c'est que tous ces mondes nous influencent. Et tous ces mondes se retrouvent ici.
Tu vois, ici, il y a les 12 portes. Une porte, deux portes, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Ils ne sont pas dans l'ordre forcément, d'accord ? Ils ne sont pas dans l'ordre. 12 portes. Même dans le corps humain de l'homme, il y a ces 12 portes. Il y en a deux tout en bas, dans le sacrum, ça fait deux. Le nombril, 3. Ici, au niveau du cœur, 4, 5. 4, 5, connaissance du bien et du mal, il y en a deux ici, tu comprends ? Dans le corps humain, 2. Ensuite, la bouche, les deux oreilles, les deux narines et les deux yeux. Voilà où sont les 12 portes de la Jérusalem céleste. Parce que la Jérusalem céleste, comme je l'avais expliqué, dans une vision essénienne du monde, c'est l'homme. L'homme, la cité du ciel et de la terre, c'est l'homme. Donc les 12 portes dans le corps de l'homme, elles sont là. Mais dans la Kabbale aussi, elles se retrouvent ici. En fait, je l'ai compté là comme une porte, mais tu ne peux pas vraiment la compter là comme une porte. Ok ? C'est ici qu'il y a les deux portes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. À quoi ça sert ce savoir ? Comment tu vis avec ça ? Parce que même pour moi, je trouve ça énorme comme savoir, comme enseignement. C'est riche, c'est vaste, ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Ça n'explique pas tout, mais quand même. C'est universel, universel. Mais ok, ok, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? L'homme, parce que c'est une étude de l'homme, c'est une étude de l'être humain. Quel est le but de l'existence de l'être humain sur la terre? C'est de retourner à la non-existence. Bon, ok. Mais là, en fait, tu m'aides pas trop. Ok ? Comment tu fais pour rentrer dans la non-existence ? Tu dois être un initié. Tu dois rentrer dans ce monde. Là, tu es un initié, ici. Ici, tu es un initié. Tu prends conscience qu'il y a l'animal, le végétal et le minéral à l'intérieur de toi. Et que même à l'extérieur de toi, l'animal, le végétal et le minéral ont une âme. Tu es initié. C'est un très très grand raccourci, hein, d'accord ? Ici, tu t'individualises. J'ai dit qu'il y avait les égrégores, les génies et les esprits. Je vais mettre les égrégores ici, mais honnêtement, ok, je suis sincère avec vous, c'est pas très clair pour moi, ok ? Mais c'est clair qu'il y a les égrégores, les génies, les esprits ici dans cette sphère. Et ici donc, il y a l'homme. Là, tu t'individualises. Tu ne peux que t'individualiser si tu prends conscience
qu'il y a autour de toi des égrégores, des esprits, des génies qui t'influencent. Qu'est-ce qu'un égrégore? Qu'est-ce qu'un génie? Qu'est-ce qu'un esprit? Ok. En fait, tu dois juste comprendre qu'il y a des influences. Et derrière ces influences, il y a des mondes. Et ces influences, elles vont venir vers toi. Elles vont te toucher. Tu vas les sentir. Tu vas penser certaines choses. Tu vois? Ça peut même changer ta façon de regarder. Ça peut même changer ta façon de réagir. Si tu te poses un peu dans ta vie, un minimum, c'est pas mystique là ce que je te dis. Tu vas voir ça, tu vas voir ce que je te dis. Il ne faut pas faire des grandes méditations, il n'y a pas à faire de grandes études de théologie, tu comprends? Il n'y a pas à être un mystique, un ésotérique pur, profond, tu vois? Non, tu te poses un minimum, ce que je te dis, tu peux le percevoir, tu peux le sentir, tu peux le comprendre. Il y a des influences et il y a des corps. Et toute influence, quelle qu'elle soit, ce qu'elle veut, c'est avoir un corps. Et toi, tu en as un de corps. Miam, miam, miam. Voilà ce qu'ils se disent. Ouh, il est beau. Ouh, elle est belle. Avec ce corps-là, je pourrais faire tellement de choses. Et elles vont t'influencer. Et toi, tu vas penser, tu vas regarder, tu vas respirer, tu vas prononcer des paroles, tu vas croire que c'est toi qui vis, qui pense, qui respire, mais ce sont ces mondes. Ce sont ces mondes. L'individualisation, c'est de réussir petit à petit à faire le tri, à faire du ménage, à tout poser sur la table et à savoir, ok, ça c'est telle influence, ça c'est telle influence. Celle-là je la prends, celle-là je ne la prends pas. Parce que tu ne peux pas ne pas être influencé. Ceux qui disent personne ne m'influence, ce sont les pires naïfs qui existent. Non, la maîtrise, c'est de choisir qu'est-ce qui va t'influencer. Regarde l'art. Ils s'influencent tous. Regarde le cinéma. Ils s'influencent tous. Moi, ce que je dis, ce que je partage, mais je suis influencé par plein de choses. Vous m'influencez tout le temps. On pense les uns les autres. On s'influence. Croire qu'il n'y a rien qui t'influence, t'es, je te dis, le plus grand naïf qui soit. D'accord? Tu dois choisir qu'est-ce qui t'influence. Par exemple, Hitler. C'est un exemple extrême. Ok? Il a accompli des actes. Lui et sa bande. Ils ont prononcé des paroles. Ils ont eu des idées. Il t'influence ou il t'influence pas? Tu choisis. Tu choisis. Et en fonction de ton choix et de ta décision, tu te mets en mouvement, mais tu te barres. Tu comprends? À l'époque en Allemagne, tu pars. Tu le sens venir. Tu pars. Plus facile à dire qu'à faire. Tu comprends? Tu fermes ou tu ouvres des portes. À un moment donné, tu as un choix à faire. Ça, c'est s'individualiser. Je me laisse influencer ou pas. Ou pas. Même allons un tout petit peu plus loin. Ok, je ne me laisse pas influencer, mais je laisse faire ou pas. Tu comprends? Ça, c'est la sphère de l'individualisation. Parce que derrière Hitler, mais
Aujourd'hui encore, il y en a plein, hein, des hommes et des femmes fanatiques, sectaires, dogmatiques, rigides, hein, fermés. Fermés. Il y en a encore plein. Tu le vois ou tu le vois pas? Tu le vois. Tu laisses faire ou tu laisses pas faire? Tu pars ou pas? Tu organises ta vie? Tu veux vivre d'une autre manière? Qu'est-ce que tu fais? Tu te retrousses les manches? Tu fais quoi? Ou tu te dis non mais je peux pas, je peux rien faire. Qui je suis? Moi, je ne suis rien. Jésus dit, vous pouvez déplacer des montagnes. Jésus dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et plus encore. Tu dis quoi? Tu dis, oui, mais c'est Jésus. Lui, il peut. Mais moi, qui je suis, en fond, je ne peux pas. Mais tu peux. Peut-être que Jésus, lui, il connaissait un passage secret. Peut-être que Jésus, lui, il connaissait des petites astuces. Tu comprends? Peut-être que pour toi, ça va être plus difficile. Mais le sommet de la montagne, il est là. Il est là. Tu le vois. Ou on t'en a parlé, tu ne le vois pas, mais tu peux l'imaginer parce qu'on t'en a parlé. Tu te mets en chemin, tu avances dans ta vie, tu t'individualises à un moment donné, le sommet dont on t'a parlé, ça y est, tu le vois. Et là, tu te dis, mais non, c'est impossible, non, jamais j'y arriverai. Il y en a, ils vont mettre 3 jours pour monter le sommet. Il y en a, ils vont mettre 3 vies pour monter le sommet. Il y en a, ils vont essayer de le monter, ils vont tomber, ils ne vont pas se relever. Il y en a, ils vont se perdre. Mais peu importe le temps que tu vas mettre à gravir la montagne, tu peux la gravir. Tu peux la gravir, voyons. Tout ça, c'est l'individualisation. OK? Ici, tu deviens un initié. Ici, tu t'individualises. Ici, tu deviens un homme. Ici, tu es dans la connaissance. Tu deviens conscient. Et en fin de compte, tu t'es retrouvé. Tu t'es retrouvé, tu sais qui tu es. Pourquoi ? Pour te donner. Quand tu veux donner quelque chose, je veux te donner, une clé. Si moi-même je n'ai pas cette clé, je ne peux pas te la donner. Je vais te donner une pièce de 1 $. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas te la donner. Je vais te donner ce stylo. Mais si je ne l'ai pas, le stylo dans ma main, je ne peux pas te le donner. Je ne peux pas. Je n'ai pas le stylo. Mais je sais où il est. Et je veux te le donner. Il faut que j'y aille. Il faut que je le prenne. Tu comprends? Être un initié, s'individualiser, il faut que j'y aille. Il faut que je le prenne. Il faut que j'utilise ma main. Il faut que j'aille vers le stylo, il faut que je le prenne avec ma main, et après je peux te donner. Le but de la vie sur Terre, c'est ça. C'est se posséder soi-même. Hein, on parle de possession. Je suis possédé. Possède-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Possède-toi. Tu as un corps. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps? Est-ce que tu laisses ce corps révéler et manifester toutes les influences comme ceux-là qui sont partout? Un jour, tu vas être triste, un jour, tu vas être joyeux. Tu comprends? Un jour, tu vas dire quelque chose et puis demain, tu vas dire tout son contraire. Ou est-ce que tu as un corps et avec ce corps, tu fais quelque chose? Et ce quelque chose, c'est quoi?
Tu le veux vraiment? Tu l'aimes vraiment? Tu le désires vraiment? Tu le penses vraiment? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu vas là au sommet de la montagne et puis tu te dis les mains dans les poches, bon ben ok, le sommet va venir à moi, tout seul, moi je reste là où je suis, et un jour, peut-être, tu comprends? J'atteindrai le sommet. C'est possible. Un jour, tu es là au sommet, tu dis, oh, ben ça y est. Peut-être. Ou est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu te prépares un peu? Tu vas en sandales, tu vas pieds nus? Ou tu vas quand même avec du bagage? Est-ce que ton bagage, il te pèse plus qu'il va t'aider? Ou est-ce qu'au contraire, tu es sensé, tu es posé, tu es réfléchi, tu es conscient, et tout ce que tu as mis dans ton bagage, c'est tout ce qui est utile? Ou est-ce que tu prends tout ce qui est inutile et l'utile, tu le mets de côté? Tu vois tout ça? Et puis après, tu y vas, tu marches. Qu'est-ce que tu vas rencontrer sur le chemin, etc., etc. Tout ça aussi, après, va te donner de la force ou au contraire, va te perdre. Bon. Le but de l'existence sur la terre, c'est ça. Je veux te donner quelque chose. Mais je te donne un stylo, mais le stylo, il ne m'appartient pas. Il n'y a qu'une chose qui t'appartient. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas tes vêtements. C'est le lien. Pas vraiment le lien, ce que tu es venu faire sur la terre dans ce corps-là, ça t'appartient. L'expérience que tu dois faire sur la terre dans ce corps, parce que tu as ce corps, dans cette famille, à cette époque, avec cette culture, cette éducation, avec toutes les influences, les planètes, tes caractères et tout ça, tu vois. Tu es venu sur la terre avec tout ça. Tu dois comprendre quelque chose de tout ça. Ça t'appartient. Tu deviens un initié, tu t'individualises, tu deviens conscient et à un moment donné, du coup, ce quelque chose-là qui t'appartient, tu dois le découvrir et tu dois l'acquérir. Je sais où est le stylo, je dois y aller. Je sais où est le stylo, je sais ce que je suis venu faire sur la terre. Voilà, je sais où il est. Je sais où est le sommet de la montagne. Je dois l'acquérir. Je dois le posséder. Je dois aller chercher le stylo, le prendre et le tenir. Et il y en a un qui va venir, il va vouloir dire « Le stylo, il est à moi. » Non, il n'est pas à toi. Je sais que ce stylo-là, il est à moi. Mais comment tu sais qu'il est à toi? Ce n'est pas parce que tu l'as acheté qu'il est à toi. Non, je ne l'ai pas acheté. Il est à l'intérieur de moi. Mais comment tu le sais? Mais parce que j'accomplis des actes. Mais ça se bonifie avec le temps. Tu ne peux pas à 14 ans savoir ça. Tu ne peux pas à 21 ans, tu ne peux pas à 42 ans connaître ça. D'accord? C'est avec le temps et toutes les expériences de ta vie, ça se bonifie, ça se précise, ça s'affine. C'est pour ça que c'est beau la vieillesse. C'est ça qui est beau dans la vieillesse. Parce que normalement, un grand-père, une grand-mère, un vieillard, une vieille femme, un vieil homme, il se connaît. Et c'est le moment où il doit donner ce qu'il est. Tu comprends? Il doit le donner. Voilà l'existence de la vie sur Terre. Tout ça pour ça. Mais c'est l'existence de la vie sur Terre. De ta naissance jusqu'à ta mort, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, tu dois te ressouvenir, tu dois voir toutes les influences et maîtriser toutes ces influences à l'intérieur de toi et autour de toi. Tu dois être conscient, tu dois être dans la maîtrise et ensuite tu dois te donner. Et quand tu vas arriver à la porte de la mort,
du corps, tu as un choix à faire. Est-ce que tu t'accroches à ce que tu appelles la vie, qui n'est juste qu'une existence? Est-ce que tu t'accroches ou est-ce que tu lâches prise et tu deviens impersonnel et tu lâches prise? Même des fois, tes concepts, tu t'accroches à tes concepts. Il y a tout qui te montre qu'en fait, quand tu te trompes, que tu es enfermé dans un concept, tu ne veux pas l'admettre. Parce que si tu l'admets, tu meurs. Parce que toute ta vie est remise en question. Toute ton existence est remise en question. Tu n'as pas envie de ça. Mais ça. Parce que tu vas te dire, mais tout ce que j'ai fait, en fait, compte, ça n'a servi à rien. Et c'est exactement la même chose que tu vis quand tu vas pour quitter ce corps et ce monde. Tu regardes derrière toi, c'est très bref. Hein? Et là, tu t'aperçois, tu fais le lien et tu fais le bilan. Tu vois? Et c'est une expérience qui doit être très, très difficile à vivre. Quand tu t'aperçois, en fait, compte que tu es passé à côté de ta vie. C'est dur. Et là, tu veux t'accrocher. Parce que là, tu te dis, non, s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Ça y est, j'ai compris. Mais c'est trop tard. Et souvent, on comprend ici. Hein. Quand tu es sur le point de tout perdre, tu comprends. Tu comprends la valeur du corps quand tu es en train de le perdre. Mmh. Mais c'est trop tard. Et tu vas devoir revenir. Et tu vas tout oublier. Mais il va y avoir comme une mémoire quand même. Et de nouveau, avec ton corps physique, il va falloir de nouveau que tu te récupères cette mémoire, qu'elle s'affine, qu'elle se bonifie, et hop, c'est reparti. Voilà. Donc ça a été long, mais je vous remercie de votre patience. J'espère que je vous ai transmis une clé, que ça va vous aider dans votre cheminement personnel, individuel. Vous voyez ? Mais quelle sagesse, quel savoir. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Il faut essayer des choses. Merci pour tout. Du fond du cœur, tout le meilleur.